Erard, Swannen, Roller et Blanchet, Steinway, des noms qui sonnent. Les plus grands facteurs d'instruments du 19e livrent 6 pianos pour les salons du château de Randan, tous classés aujourd'hui monument historique. La rareté de cette collection attire les spécialistes du pianoforte, littéralement qui jouent doucement et fort. Ce modèle-là était fabriqué en Angleterre, à Londres, et pas en France. Et ce type d'instrument a une petite particularité, puisque en plus de faire le piano et le forte, il a ce qu'on appelle une céleste qui permet encore d'adoucir le son. Donc ça, c'est des choses qu'on ne voit plus sur les instruments d'aujourd'hui, mais donc on pouvait faire des nuances comme ça. Ça voulait dire qu'à cette époque-là, on cherchait beaucoup des variantes sonores, surtout sur des thèmes de plus en plus doux, vraiment des nuances avec une palette qu'on a un petit peu perdue aujourd'hui parce qu'on est plus dans une recherche de puissance. C'est ce que permettaient ces instruments anciens par rapport aux instruments modernes. Accordeur et passionné de pianos anciens, Francis Duvernet vient régulièrement au château prendre soin de la structure harmonique et des éléments mécaniques datant ici de 1867. Donc voilà, donc ça c'est une mécanique avec ses marteaux bien d'origine. On voit les différentes couches dans la fabrication. Ça c'est typique de l'époque. Avec du cuir, différents feutres et le dernier feutre qui sert donc à frapper la corde. C'est plein de délicatesse, de charme. C'est agréable à jouer, agréable à utiliser. Oui, moi j'adore ce piano. J'aime beaucoup les Erard de cette période. Qui composait à l'époque pour ça? Alors là, on est en 1867. Donc c'est toute la fin du 19e siècle. Erard, en France, on a un lien avec Fauré. C'est aussi tous les instruments du conservatoire à Paris à cette époque. Berlioz. Je dirais tous les gens qui font de la musique à Paris au XIXe siècle, Erard, Pleyel, c'est le standard. Pianiste et collectionneur de pianoforte, Alain Roudier joue aussi bien à Bayreuth qu'au château de Randan. Le concertiste affectionne le piano carré de Swannen. Il possède une petite curiosité, un jeu qu'on appelle jalousie. La même histoire, c'est la recherche des nuances et essayer d'augmenter les possibilités de nuances de l'instrument. Donc avec ça, vous avez vu quand on joue tout à l'heure, ça permet d'avoir du crescendo, du diminué ou même un forte. Évidemment, c'est du forte de cette époque, de cet instrument. Voilà, donc ça c'est un système que moi personnellement j'aime beaucoup. On l'appelle le piano de Madame Adélaïde, un piano droit roller et blanchet de 1845. L'Altesse royale était musicienne à ses heures et goûtait le décor de bois précieux, de porcelaine, de figures féminines en bronze. D'autres pianos aussi richement ornementés existent chez les Rothschild. Demain, nous serons au diapason de la nature, dans la forêt du domaine royal de Randan, avec balade au clair de lune et chœur de grenouilles.